Mais qu'est-ce que tu regardes que tu ris comme ça depuis tantôt? Bah, les blagues de tonton. C'est quoi ça? Tu connais pas les blagues de tonton? Non, du tout. Bah, c'est le challenge à la mode, là. Tu lances des blagues totalement nulles avec ton partenaire et tu dois essayer de pas rire. Ah bon? Je ne connais pas. J'aimerais bien faire un jour, mais bon, aucune chance à celui qui va le faire avec moi. On teste? Ok. Comment appelle-t-on un nain en prison? Laura. Un incarcéré. Bon. C'est quoi l'histoire du petit-déj? Ah, je sais pas. Pas de bol. Dommage. Pourquoi les Belges viennent à la messe avec du savon? Attends, ça je connais. L'Ave Maria. Ouais. C'est quoi une chauve-souris avec une perruque? Une souris. Les poils de souris, c'est la perruque. Que dit Raphaël quand quelqu'un lui dit merci? Des nadelles. C'est l'histoire d'une blague vaseuse. Tu sais ce que dit un citron quand il rentre dans une banque pour la braquer? Princesse. Et pourquoi les pêcheurs ils sont pas gros? Ils surveillent leur ligne. T'arrives pas. Qu'est-ce qu'un aime avec des écouteurs? Un MP3. Quelle mamie fait peur aux voleurs? Ma mitraillette. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe quand tu manges un pépito à minuit? Tu dors ce son préco? Ça devient un pépitard. Comment appelle-t-on un chat qui n'a pas de pâte? On ne l'appelle pas, on va le chercher. C'est un volcan qui dit à une petite colline. Ça ne me dérange pas si je fume? Oh, les vaches, elles ferment les yeux pendant la traite du lait. Pour faire du lait concentré. C'est quoi l'histoire de la chaise? Bah, les plis. Tu sais ce que c'est une douche? Une douche? C'est une douche sans eau. Bon, je crois que c'est moi qui ai perdu. Hein. C'est fini.